Nous voilà à la tombe à la fille, au milieu de la forêt de Théiers. Donc une tombe à l'évidence régulièrement visitée, entretenue, comme on le voit, avec des fleurs, des petites croisettes de bois, une offrande traditionnelle, oui. Et puis du mobilier funéraire plus moderne, des ex-voto, des crucifix, des petites statuettes. Et plus étonnant, plus surprenant, à l'arrière-plan, sur des fils dans les buissons, une masse de vêtements, essentiellement des vêtements d'enfants, et puis des chaussures également d'enfants. Tout cela attestant des pratiques qui sont décrites ici depuis très longtemps. On amenait les enfants traditionnellement pour les faire marcher autour de cette tombe, pour les guérir des maladies, pour mettre le pied dans un trou qui se trouvait ici. Et les mères de famille, en ex-voto, en quelque sorte, laissaient soit des petites croisettes, soit ces vêtements accrochés au buisson. Vous nous décrivez là des pratiques religieuses. Ce n'est pas une chapelle, ici? Non, ce n'est pas une chapelle. C'est un lieu de dévotion tout à fait spontané, quasiment sauvage, hein, comme le site l'indique, hors de toute institution ecclésiastique. Et d'ailleurs, le clergé a plutôt combattu dans l'ensemble, dans le passé, ce type de pratique. Un lieu de dévotion à qui, alors? Lieu de dévotion à Sainte Pataude. On l'a longtemps appelé comme ça. On dit aussi la fille. Marie Martin, d'après les documents, une jeune fille républicaine. Oui, d'où le nom de Pateau, c'est le surnom des républicains. Pateau, ça veut dire patriote. Oui. Jeune fille républicaine, entraînée par un groupe de chouans ici au cœur de la forêt, violée, martyrisée, morte au bout de 3 jours, et dont la légende a fait une sainte. Et sa tombe est devenue très vite un lieu de pèlerinage, puisque les archives nous attestent ce pèlerinage dès 1795, donc quelques mois après les événements. Car nous voilà en plein culte lié à la Révolution. C'est vraiment ce souvenir qui s'est gardé jusqu'à nos jours? Oui, le souvenir s'est gardé jusqu'à nos jours et en même temps il s'est renouvelé, il s'est rechargé de sens. Par exemple, des élèves du collège de Bain-de-Bretagne, non loin d'ici, au cours d'une enquête, se sont entendus répondre qu'était enterrée ici une jeune fille tuée par les Allemands pendant la Résistance. Nous ne sommes pas très loin de Châteaubriant. Et finalement, de nouveaux événements historiques ont donné un nouveau sens à ce lieu. Mais finalement, alors, des lieux comme celui-ci relèvent d'une mémoire républicaine ou d'une mémoire chouane? Les deux à la fois, en fait, puisque les pèlerins à la tombe à la fille venaient des deux bords dès l'origine. Oui. Et petit à petit, la signification s'est brouillée. Et par ailleurs, on connaît pratiquement une cinquantaine de sites. Une cinquantaine? Une cinquantaine en Bretagne, dans le Maine, avec des victimes tantôt républicaines, tantôt royalistes. Je pense au Chêne à la Vierge, en forêt de la Guerche, où là, c'est symétrique d'ici, une jeune fille royaliste, catholique, ouais, massacrée par des soldats bleus, mais honorée et visitée comme ici. C'est-à-dire qu'il y a en somme une symétrie entre les pratiques des deux côtés. Oui, c'est ça. Il y a essentiellement un fait de violence initial, et puis petit à petit, la construction d'une mémoire collective. Et c'est pour ça que j'ai proposé pour ces lieux l'expression de tombe de mémoire. Mémoire, c'est le mot-clé. C'est exactement cela que nous voulons essayer de comprendre à travers ce film. Dites Roger Dupuis, nous venons de voir les images du film de Capellani Antoine, la 93. J'ai l'impression que la messe est dite. En Bretagne, la Révolution, c'est la chouannerie. Encore une fois, le cliché dont il faudrait quand même enfin sortir, c'est-à-dire notamment ne pas oublier que le rôle fondamental de la Bretagne dans les débuts de la Révolution sur le plan national. C'est vrai parce que la Bretagne avait un statut particulier sous l'Ancien Régime. La province était gouvernée par les aristocrates, très arrogants à l'égard du tiers-état, d'où un climat de tension qui, par exemple, a produit les fameuses journées
du 26 et 27 janvier à Rennes. Janvier 89. 89, où les jeunes bourgeois se sont heurtés violemment à la noblesse. Le sang a coulé, deux morts, deux aristocrates. Et on peut dire que c'est le premier sang que fera couler la Révolution française. Oui, je sais bien que vous aimez dire que la Révolution a commencé en Bretagne. Mais enfin, les cahiers de doléances du printemps 89, c'est dans toute la France. C'est vrai. Et il faut d'ailleurs le souligner. Hein, on y trouve à peu près la même chose que dans le reste de la France. Mais ce qui me paraît différent, par exemple, c'est l'intensité des problèmes suscités par la constitution civile du clergé. Au printemps 91. Au printemps 91, c'est-à-dire au moment où l'Assemblée constituante exige le serment des prêtres, et on peut dire en gros que 70% à peu près des prêtres en Bretagne refusent de prêter ce serment, et donc la population va se couper en deux. Ce sont les prêtres réfractaires. Ce sont les prêtres réfractaires que j'évoque. Il faut y ajouter d'autres facteurs, les assignats, la lourdeur des impôts, l'ingérence des autorités dans le gouvernement des communes, et surtout la levée des 300 000 hommes, c'est-à-dire la Convention ne se satisfait plus des volontaires et élève 300 000 hommes. Et donc l'insurrection, c'est le refus de la paysannerie à payer l'impôt du sang. Et le début d'une guerre civile. Et le début d'une guerre civile. Mais alors pourquoi nous avoir amené précisément à Quiberon ? Mais je vous ai amené à Quiberon et à proximité du fort de Penthièvre parce que ce fort est le point central de toute l'affaire de Quiberon. Lorsque les Anglo-émigrés débarquent sur la plage de Carnac, 3 ou 4 jours après, ils sont obligés de s'emparer du fort lui-même qui verrouille la presqu'île. Et lorsqu'on tient, qui tient le fort tient la presqu'île. Et un mois après environ, lorsque Hoche veut à son tour en finir avec les émigrés et les chouans qui les ont rejoints, il devra à son tour reprendre le fort. Ça sont les événements de juin-juillet 95. C'est simplement ça qui fait l'importance de Quiberon ? Non, de surcroît, Quiberon, c'est un épisode charnière dans l'histoire globale de la chouannerie. Avant Quiberon, c'est une chouannerie de paysans, c'est une guérilla de petits groupes. Après Quiberon, les nobles jouent un rôle de plus en plus important. La chouannerie se militarise presque au sens classique du terme. Les nobles essaient d'organiser une véritable armée. Avant Quiberon, c'est la chouannerie des fossés. Après Quiberon, c'est déjà la chouannerie des châteaux. Jolie formule. C'est là aussi qu'apparaît, par exemple, Georges Cadoudal. Exactement. 95, c'est également le tournant dans l'existence du chef chouan qui est Cadoudal. Avant Quiberon, Cadoudal est le chef d'une bande de la région dorée. Après Quiberon, il a réussi à ramener une partie de l'armée chouane qui était menacée par les Bleus. Il a fait une retraite absolument réussie. Et déjà, il émerge, il devient le chef de la chouannerie morbihanaise tout entière. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre comment s'est construite la mémoire de ces événements. Eh bien, il y aurait d'abord la mémoire officielle qui est créée, entretenue par les institutions. Nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts de Quimper, où nous en avons un excellent exemple, un tableau célèbre de Jules Girardet, des environs de 1886. Alors, que dit ce tableau ? Eh bien, ce tableau qui évoque un épisode de 1792, un an avant la véritable chouannerie, je dirais, il exprime d'abord qu'il s'agit de paysans, les insurgés sont des paysans. Deuxième point qui me paraît important, il montre la solidarité de la population avec ses paysans, notamment cette solidarité est incarnée par les femmes, les enfants qui regardent nos prisonniers. Et puis, troisième élément, non des moindres, la nation, c'est essentiellement des uniformes, des fusils, c'est-à-dire les fameux bleus qui seront opposés aux chouans. À ces tableaux, dans les musées, s'ajoutent également des monuments. Je pense au mausolée de Cadoudal aux portes dorées. Et puis, il y a des restes moins spectaculaires en pleine campagne, et qui ne concerne pas seulement la chouannerie. Et c'est de tout cela que nous allons parler.
Et dites, vous nous amenez où ici ? Eh bien, nous sommes à Plumelio, entre Locminé et Pontivy, et je vous amène à la ferme d'Olivier Le Tutour, qui fut un personnage important du district de Pontivy entre dès 1789. Il a en effet participé à la rédaction des cahiers de doléances et puis il fut élu administrateur du département. Vous êtes donc un paysan qui émerge parmi les cadres de la Révolution. Tout à fait, un notable bleu, comme on dira plus tard, et qui fut même élu député à la législative en 91. Ce qui a dû lui laisser une certaine fierté pour tout un à fait. Et pendant longtemps, au-dessus de la porte de cette ferme, il y avait un linteau sur lequel il avait fait graver la date de 1778, qui était la date de construction de la ferme, et il avait fait rajouter « fut élu député en 1791 ». Qu'est-ce qu'il est devenu ensuite ? Eh bien, il a été juge de paix dans le canton de Plumelio, et ce qui est peut-être plus important, en 1795, on lui avait demandé de redevenir administrateur du département du Morbihan, et il a refusé, raison de santé, sur peut-être menace d'échouant, et il est mort en 1801, âgé de 50 ans. C'est passionnant cette histoire, mais enfin, il reste quand même que des ruines. Et oui, il reste finalement assez peu de choses comme traces matérielles, et je dirais surtout pour les Bleus. Un autre linteau à la ferme de Kergal, en Plonévé-Porzé. C'est près de Le Crolan, hein ? Exactement. Et puis quelques pierres tombales d'officiers de la garde nationale. J'en connais une au Faouette, il doit y en avoir dans le Coglet. Et finalement, c'est encore la chanson qui nous donne le maximum de témoignages de cette époque, témoignages vivants. Par exemple, une chanson récemment collectée concernant Lorcy, un des lieutenants de Jean-Jean, le principal chef chouan de la région. À chape marque, potret, qu'est arrivé un gendarme. À deux des aubes, lorsque ta gueule noircie, un dessin bleu. Nous venons d'entendre une complainte sur la mort d'un chef chouan. Il y a d'autres chansons qui relatent plutôt les épisodes majeurs de la guerre civile. Je pense à l'affaire de Quiberon, par exemple, qui prend certaines libertés avec l'histoire, mais qui reste quand même un témoignage majeur de l'importance pour les paysans eux-mêmes de cet épisode de 95. Vêche change bretonnette, à gauche tu dois râler, à gauche tu dois râler, à gerble mille cercandes, oh, pierre veut d'y en peut m'écvler. Michel Denis, j'ai pour vous une question toute simple et en même temps très compliquée. Qu'est-ce qu'il reste de la Révolution dans le comportement politique des Bretons ? Jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Bretons sont très conscients de leur attachement ou de leur hostilité à l'égard de la Révolution. Et au cours de ces dernières décennies, cela a encore une influence, même si c'est inconscient. Le cas de la commune de Rimoux, dans l'arrondissement de Fougères, est tout à fait révélateur. 1884, c'était la plantation d'un arbre de la liberté dans cette commune, selon la tradition qui s'est développée à partir de l'époque révolutionnaire. Puis en 1906, à la suite du vote de la loi de séparation, les républicains d'Ille-et-Vilaine érigent ici ce buste de Marianne en l'honneur de cet attachement qui se traduit par le fait que Rimoux vote à 95% pour les candidats républicains, ce qui n'empêche pas les habitants de Rimoux d'être des catholiques pratiquants. Mais cette tradition n'est quand même pas tout à fait isolée en Ille-et-Vilaine. Gare, qui n'est pas très loin d'ici, possède un drapeau tricolore qui a été planté au 19e siècle au sommet de son église. Et cette tradition a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui ? Oui. Même si les habitants n'en sont plus totalement conscients, cette commune-ci vote
plus nettement à gauche que les communes de l'arrondissement de Fougères. En 1995, aux élections présidentielles, Rimoux a donné 57% des voix à Lionel Jospin. Mais alors la chouannerie, elle n'a pas laissé d'héritier politique ? Aussi, il y a des régions assez vastes qui restent très méfiantes à l'égard de la République et hostiles à la gauche jusqu'à nos jours. C'est le cas en particulier du pays de Vitré à l'extrémité orientale, ou bien dans le Nord Finistère, c'est le cas du Léon. Les cartes électorales de ces dernières années sont encore très nettes. Et le socialisme, c'est un héritage aussi de la Révolution ? Le premier socialisme, peut-être, mais le socialisme d'aujourd'hui a des origines beaucoup plus diverses. Par contre, le communisme, tel qu'il se présente en Bretagne, est l'héritier de la Révolution. Le communisme rural, dû à cheval, dans cette région qui est à cheval sur le Trégor et sur la Haute-Cornouaille, ou bien le communisme des ports de pêche du Sud Finistère. Le pays Bigoudin. Le pays Bigoudin. On a par exemple un témoignage de cette force du communisme finistérien à travers un film de 1938 qui présente des bigoudaines en coiffe, le poing levé, chantant l'International en breton. Pour ce qui est du Trégor, c'est l'influence de Marcel Cachan, originaire de Paimpol, qui est très prégnante dans cette région rurale. C'est qu'on s'aperçoit en fait donc que l'héritage politique de la Révolution est même au XXe siècle beaucoup plus fort qu'on l'imaginerait parfois. Oui, il est passé par le radicalisme et il s'est transformé en une attitude révolutionnaire d'extrême gauche, à tel point que quelqu'un comme Charles Tillon pouvait dire qu'il avait choisi le communisme par tradition révolutionnaire tenue de son ancêtre, le père Gérard. Nous restons attachés aux traditions de nos aïeux qui ont tant souffert et qui nous ont légué leur cœur produit. Michel Ladret, j'ai envie de vous poser pratiquement la même question qu'à Michel Denis. Quelle est l'influence de la Révolution sur la religion en Bretagne ? Un marquage contre-révolutionnaire au long du 19e siècle, à la différence de ce qu'on trouverait en Pologne ou en Irlande. On a la preuve ici, au Tabor, à Rennes, avec ces deux monuments opposés. 1830, un monument de gauche, un monument laïque, aux étudiants rennais Vanneau et Papus, martyrs des barricades. Et puis, année 1850, 20 ans plus tard, cette grande statue de la Vierge qui marque la reconquête de l'espace et du ciel rennais par le catholicisme et aussi une grande figure féminine érigée dans le ciel de Rennes. Oui, ce rôle des femmes a été très important en Bretagne, notamment au 19e siècle. Oui, et le divorce, il est ancien entre les femmes et la Révolution, et en particulier entre les religieuses et la Révolution, comme on le voit par exemple sur l'ex-voto des Augustines de Vitré, qui ont résisté à la Révolution et qui ont échappé d'ailleurs à un sort difficile en invoquant la protection divine. C'est un petit peu une manière d'écrire ou de réécrire l'histoire, non ? Oui, cette écriture de l'histoire, elle a été servie par des historiens ecclésiastiques nombreux au XIXe siècle qui ont contribué à matérialiser par le livre ou par l'image d'ailleurs. On peut penser à un certain nombre de vitraux d'églises qui sont les illustrations de ces livres. Pensez aux Verrières, je pense qu'il y a Kerlaz dans le Finistère, ou bien Notre-Dame du Roncier, juste par exemple. Cette interprétation aussi, elle a été diffusée par le canal des écoles catholiques. Oui, vous évoquez l'école, chacun sait bien que c'est essentiel en Bretagne encore aujourd'hui. Oui, d'autant plus que l'école, compte tenu du retard que la Bretagne présentait en matière d'alphabétisation au début du 19e siècle, l'école, pour le plus grand nombre, en particulier dans les campagnes, s'est implantée après la Révolution.
dans un climat d'affrontement, de concurrence très sévère entre le clergé catholique d'une part et l'État d'autre part, surtout à partir de la monarchie de Juillet. C'est ainsi que s'est mis en place ce climat d'affrontement, de guerre scolaire entre deux enseignements concurrents jusqu'à la fin du XXe siècle. Oui, ce qui me frappe, c'est notamment l'énormité des manifestations de 1984 pour l'école privée catholique et pour l'enseignement public laïque. Oui, on a vu très clairement se remobiliser dans ces circonstances les deux camps qui s'étaient déjà mobilisés dans le passé sur des bases un peu comparables. Et ça prouve que les réflexes se jouent encore jusqu'à aujourd'hui. Et on en a une autre preuve dans la géographie de l'enseignement catholique lorsqu'on fait la carte des écoles de l'enseignement catholique, en particulier primaire, et qu'on compare avec la carte de la chouannerie, de la résistance à la Révolution, on retrouve grosso modo les mêmes territoires. Les mêmes territoires, le Morbihan, la Loire inférieure, etc., puis le Léon dans le Finistère. Et en même temps, il faut insister là-dessus, même si cette géographie traduit une certaine inertie sociologique, il est certain que pour ceux qui fréquentent les écoles catholiques, et puis les enfants, les parents, la signification de cet enseignement a probablement sensiblement évolué par rapport à cette orientation contre-révolutionnaire, explicitement contre-révolutionnaire, qu'il avait au siècle dernier. Il n'empêche que c'est peut-être quand même la trace la plus visible de la Révolution aujourd'hui. Je reste persuadé que c'est la trace la plus visible, c'est l'héritage mental le plus clair dans la Bretagne d'aujourd'hui. Pour achever cette réflexion sur la construction de la mémoire, Michel Lagret, vous avez tenu à nous amener ici. J'aimerais bien savoir pourquoi quand même. Oui, ici au Champ des Martyrs, près d'Auray, lieu de construction d'une double mémoire avec deux sources, deux temps. D'abord une mémoire populaire spontanée, des pèlerinages dès 1796 de la population, sur cet endroit où on avait fusillé à peu près 200 prisonniers de l'affaire de Quiberon. Oui. Et puis dans un deuxième temps, sous la Restauration, après la visite de la duchesse d'Angoulême, une souscription publique officielle qui fait de cet endroit donc un endroit d'une mémoire beaucoup plus officielle et monarchique. Alors, ce genre de commémoration, ça ne relance pas les tensions et à la limite aussi une forme de mémoire plus conflictuelle ? Tout à fait. En fait, on s'aperçoit que cette mémoire est réactivée, je dirais presque tous les 20 ans, au moment où des conflits politiques réclament un petit peu une mobilisation partisane. Et donc, monarchie de Juillet, Second Empire, Troisième République, à ses débuts, séparation de l'Église et de l'État, puis jusqu'au cartel et au Front populaire, on assiste, soit par un camp, soit par un autre, à une mobilisation de certains thèmes, toujours les mêmes. Et le bicentenaire en 1989, c'est la même chose ? Ah, peut-être une variante. Je dirais que sur le plan national, le bicentenaire a cherché à être irénique. On a voulu concilier et on a axé, vous le savez, la commémoration uniquement sur 89, justement, oui. Sur la Déclaration des droits de l'homme. Et puis, je dirais, localement, surtout dans l'Ouest, le bicentenaire a été perçu comme une occasion de réaffirmer une espèce de racine identitaire fondée sur l'insurrection elle-même de mars 93, chouannerie notamment pour le Morbihan, Cadoudal étant l'incarnation, en quelque sorte, de ces racines particulières au Morbihan, ou du moins à un Morbihan, le Morbihan blanc. Mais dites, la Roger Dupuy est en train de nous dire que la mémoire de la Révolution se résume à une tradition blanche. C'est peut-être exagéré, c'est peut-être plus vrai au plan culturel général qu'au plan proprement politique, où la tradition blanche, effectivement, reste puissante pendant tout le XIXe siècle, et encore au début du XXe siècle, elle est porteuse de valeurs, d'attachement à la monarchie, d'attachement à l'aristocratie, d'attachement à l'Église catholique, d'attachement à l'enseignement catholique. Et puis petit à petit, on la voit s'affaiblir, en particulier sous la Troisième République, perdre de sa pertinence. Et l'image du chouan en particulier tend à se folkloriser. Et on en a une preuve dans cette affiche ferroviaire bien connue, où la publicité pour la presqu'île de Quiberon utilise l'image du chouan. Oui, mais sur cette célèbre affiche que Michel Lagret évoque, Roger Dupuy, il y a aussi un bleu. Et bien sûr, symétriquement à la tradition blanche, il y a la tradition bleue qui s'incarne dans des symboles très visibles. Vous avez vu Marianne, il y a le drapeau tricolore, bien sûr, et puis il y a les fameux arbres de la liberté. Et ici, à Saint-Christophe-Valin, nous en avons un magnifique exemple, hein, ces arbres qui ont polarisé sous la Révolution la haine des chouans. Il y a aussi une idéologie, je pense, dans cette tradition. Oui, et là aussi, symétrique, terme à terme, ou presque, avec l'idéologie blanche. À la monarchie s'oppose la République
République et la démocratie, et à l'aristocratie s'opposent les nouveaux notables, profession libérale au XIXe siècle, instituteur au XXe siècle, n'oublions pas l'école, et puis la variante rouge, je dirais, qu'a évoqué Michel Deligne à l'instant. Mais non, Michel Lagré, comment insérez-vous la tradition démocrate chrétienne dans ce panorama ? Je l'insère comme un greffon tardif, un siècle après la Révolution, une partie de la tradition blanche, dans le cadre de ce qu'on appelait le ralliement à l'époque, intègre une partie des valeurs démocratiques et républicaines, mais une partie seulement, tout en se réclamant toujours de l'affiliation catholique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au total, au-delà des différences, nous sommes les héritiers directs de la Révolution ? Nous sommes certainement les héritiers directs, mais en même temps, les formes ont beaucoup changé, en particulier en ce qui concerne la violence. Le seuil de tolérance de la violence s'est beaucoup relevé, oui. Et nous ne pouvons plus imaginer le degré de violence des affrontements qui existaient autrefois. Et finalement, ce que nous observons, c'est que les situations ne sont pas tout à fait les mêmes et que nous avons affaire à un renouvellement constant, comme toujours en histoire.